Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Samuel Bellic Digital. Aujourd'hui, je suis avec deux invités qui vont se présenter tout de suite. Doria Tulsi, cofondatrice de Shedio. Et Fariel Tounsi, cofondatrice de Shedio Design, start-up spécialisée dans la réalité virtuelle et reconstruction historique. Excellent. Donc, je remarque que vous appelez Tounsi. Il y a une raison. On est sœurs. Voilà. Je me disais aussi. Il n'y a pas un air de ressemblance. Si. Quand même. Non, mais c'est juste pour les invités qui ne vous connaissent pas. C'est, okay. Voilà, c'est un truc qui ressort automatiquement. Oui, c'est okay. Ça. Très bien. Donc, Marha Bekom. Donc, aujourd'hui, je veux comprendre ce que vous faites. En fait, je comprends ce que vous faites. Je veux que les gens comprennent ce que vous faites. Et donc, pourquoi la réalité virtuelle et pourquoi la reconstruction historique? Alors, reconstitution historique ou archéologique, c'est par passion pour le patrimoine, c'est tout. En fait, ça a commencé par là. Comme j'ai fait le Beaux-Arts et j'ai fait mon mémoire de fin d'études justement sur la reconversion et des friches en fait industrielles, c'était ça. Et en fait, j'ai adoré cette partie où on redonnait vie en fait à un bâtiment qui n'existait plus. Et c'est de là que j'ai voulu faire en fait ça, mais pour le patrimoine archéologique algérien. Je t'arrête deux secondes. Ouais. Tu as utilisé le terme friche industrielle. Ouais, friche industrielle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les friches industrielles, c'est en fait ça peut être un endroit, ça peut être un terrain inexploité, ça peut être un bâtiment industriel qui n'est plus en service, c'est-à-dire un truc désaffecté. Okay. Voilà, ça englobe tout ça, une friche, et voilà, moi j'ai travaillé sur ça en fait. D'accord, très bien. Voilà. Et voilà, du coup, ça, petit à petit, c'est parti vers le patrimoine archéologique. Et je laisse Feuille continuer. Voilà, donc on a essayé de lier l'ancien, c'est-à-dire tout ce qui est archéologique, historique et patrimoine, à la technologie. Donc on a essayé de mettre la technologie au service de ce patrimoine culturel et historique algérien. Donc là, qui dit technologie, bon, il y a il y a la numérisation, entre autres. Et nous, on a choisi la réalité virtuelle. Et la 3D. Donc voilà, c'est très simple. On prend un site archéologique ou un monument qui est ou détruit ou partiellement détruit. Et nous, on le reconstruit via des logiciels comme il était anciennement. Donc ça dépend, on choisit les périodes. Donc si le bâtiment ou le site archéologique a subi plusieurs périodes, on va construire les différentes périodes historiques, et on les propose aux visiteurs, aux entreprises, aux agences de voyage, aux entreprises et tout, voilà, dans le but toujours de promouvoir la culture, le patrimoine culturel algérien. Voilà, parce très que bien. Tout ce qu'on choisit maintenant, ça fait partie de l'histoire algérienne. C'est aussi pour aider les gens à y visualiser en fait leur patrimoine. C'est-à-dire, quand on voit des ruines, on n'a pas forcément idée que c'était quelque chose de grandiose, avec des couleurs. Parce qu'il y a un pilier ici, un pilier voilà, là-bas. Et quelques pierres, voilà, et quelques pierres éparpillées. Et on n'a pas forcément, même si on va chercher sur Internet, c'est vrai qu'on va trouver des illustrations, mais pas de ce site-là forcément. Si quelqu'un s'intéresse à un site en particulier, on va peut-être l'aider à visualiser le site comme il était dans son... À son apogée. Ouais. Voilà. Excellent. Donc, quand vous dites reconstruction, virtuelle. Vous allez faire tout ça, donc, très bien, en 3D, etc. Ouais. Donc, si vous êtes déjà allé sur le site d'une promotion immobilière, vous avez peut-être vu les visites virtuelles qu'ils font dans les appartements pour les appartements témoins. Ouais. Vous allez faire ça, mais à plus grande échelle sur tout un site. Voilà, sur tout un site. Et puis, généralement, les promotions immobilières ont déjà un appartement témoin, donc il faut juste... Il suffit de le filmer. Voilà, de filmer en 360. Il n'y a pas l'aspect reconstruction. Voilà.
Sauf si l'appartement n'est pas encore construit, et là, on va faire forcément de la 3D. Mais la reconstruction qui se fait, c'est une étape vraiment très importante. Ah oui, parce qu'il ne suffit pas juste de prendre le plan et de refaire. Exactement. Il n'y a pas de plan. Déjà, il n'y a pas de plan. Voilà, c'est rare de trouver un plan déjà prêt. Donc, si on trouve un plan, on est vraiment champion. Et voilà, on va commencer par ça. On va aller sur le site. On va trouver de la documentation. On va faire beaucoup de recherches pour arriver à un résultat assez fidèle à la réalité. Très bien. On essaie d'être le plus correct dans la démarche, déjà de documentation et tout, mais aussi dans la 3D, dans notre 3D. Donc on essaie vraiment d'être minutieux, d'aller dans les détails. Voilà. Donc on focalise surtout sur le détail. En fait, ce n'est pas à but, à but scientifique ou quelque chose. C'est vraiment à but de promotion lucrative pour les gens, donc pour le grand public. Il y a des reconstitutions où c'est vrai qu'il y a des archéologues qui vont nous dire « Ah, mais ça, c'était pas ici ». Ou plutôt, il y a des anomalies dans ce pilier, par exemple. Par rapport à la précision historique. Voilà, la précision historique. Mais nous, on essaie vraiment d'aller dans ce détail. Mais c'est-à-dire que, vu que c'est pour le grand public et pour inciter aussi les gens à aller visiter ce genre de site et tout, donc une personne lambda ne va pas regarder vraiment les détails. Mm-hmm. Donc voilà, nous, on essaie d'aller vers ces détails-là, mais pas autant. C'est-à-dire que ce n'est pas un but scientifique. Voilà. Donc si on trouve vraiment l'information pertinente qui prouve que tel pilier n'était pas comme ça, on le fait, on le change, pas de souci. Si on ne trouve pas et que ça reste un peu ambigu, Liberté artistique. Et puis c'est ça, en fait, parce que toute la documentation qu'on trouve, la majorité de la documentation, c'est du texte. Oui. Donc on va interpréter le texte, chacun interprète le texte comme il imagine ou bien comme sa vision lui permet. Et de là, il y a des différences forcément entre l'interprétation d'une personne à une autre. D'un archéologue à un autre. D'une période à une autre. D'une période à une autre. Voilà, exactement. Ouais. Donc on ne pourra jamais être sûr à 100%, mais on se rapproche vraiment au maximum de la réalité. Voilà. Très bien. Parfait. Donc maintenant, il y a le côté historique, culturel, artistique. Il y a un côté très technique. Oui. Ouais. Donc, c'est qui s'occupe de ça? Alors, il y a une troisième personne qui s'occupe de ça chez Joe. Mm-hmm. Et il y a aussi moi qui vais superviser, voir tous les détails, orienter la personne à vraiment modéliser telle chose comme elle doit être modélisée, à respecter les plans, à respecter les échelles, à introduire des détails. Ça se passe comme ça. Très bien. Et du coup, est-ce que c'est quoi le degré de complexité pour pouvoir faire une reconstruction? Et surtout, pour nous donner une idée, est-ce que vous avez déjà finalisé une reconstruction et combien de temps ça vous a pris? Alors, on a finalisé des reconstructions et ça nous a pris de 3 mois à plus. Ça dépend de la complexité du site. La dernière fois, ça nous a pris 3 mois, c'est ça? Oui, trois mois pour la Villa des Fresques. Et la complexité, c'était bon. La Villa des Fresques, ça va, on a pu trouver un plan. On a pu trouver une documentation assez fiable parce que c'était l'archéologue français qui avait fait les fouilles à l'époque coloniale. Et il a tout, il a fait tout un relevé. Voilà, oui. Il a tout retranscrit dans un livre. Et de là, on a pu avancer facilement dans la reconstitution. Mais des fois, on ne trouve pas. On ne trouve pas et on bute sur des choses qui sont assez importantes en fait, dans la reconstitution. Et c'est là où ça prend beaucoup de temps parce qu'on va essayer quand même de chercher, de demander à des archéologues. C'est plus l'aspect recherche, l'aspect documentation qui prend du temps. Après, dans la partie technique, ce qui prend du temps, c'est les parties qui sont propres au site lui-même. Par exemple, une gravure, une mosaïque particulière. Il faut redessiner, faire la bonne texture, il faut repasser ça avec Photoshop, il faut faire des collages. Pour la Villa des Fresques, d'ailleurs, il y avait des fresques sur le livre
où on a fait une recherche. Voilà. Et, mais ce n'était pas possible de les... on ne pouvait pas copier, c'était un texte, hein, ce n'est pas un dessin. Donc, lui, il a retranscrit les dessins dans son livre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Doria, elle a dessiné les fresques. Oui, donc ça, c'est heureusement que j'ai un coup de main pour, voilà, pour ça. Et j'ai dû refaire des fresques. Bon, celles que j'ai trouvées dans le livre, je les ai directement repeintes et dessinées. Et celles qu'on ne trouvait pas, parce que toute la maison était peinte, en fait, et celles qu'on ne trouvait pas dans le livre, on est allé les chercher dans des reconstitutions de domus, on appelle ça domus romaine, c'est des maisons romaines qui étaient à Pompéi, à Rome, à la même période. Oui, c'est ça. C'est des références, en fait, on prend des références, on va chercher ce qui était similaire, parce que c'est la Méditerranée, c'est la mer, donc forcément il y avait des représentations de poissons, il y avait des représentations de plantes, voilà, c'était des choses comme ça qu'on pouvait retrouver dans le bassin méditerranéen. Et je suis allée les redessiner, repeindre du coup sur une feuille de papier là. Et on les a intégrés. On les scanne et on les passe sur Photoshop pour régler les couleurs, on met une texture et on les met directement dans. Voilà. Excellent. Très bien, donc... Voilà à peu près le process qu'il y a. Maintenant, si je veux voir votre travail, comment ça se passe? Alors, nous, on fait en ce moment des petits événements, ponctuels, comme ça. Ce n'est pas encore mis vraiment dans une plateforme mais ça va venir. Mais, voilà, ça va venir. D'ailleurs, avec notre partenaire VirtuoVisio, Nassim, on est en train de faire un projet, on est en train de concrétiser un projet qui va être une plateforme qui va lier tout ce qui est visite virtuelle de musées, de sites archéologiques, de reconstitutions. Et elle va être accessible, c'est-à-dire à tout le monde. Donc, que ce soit une personne qui a un téléphone, un PC ou un casque VR, ils pourront voir tout ça depuis n'importe où, gratuitement. Voilà, ça sera gratuitement et il y aura des choses par abonnement, mais voilà, le plus gros, ça sera vraiment gratuit pour tout le monde, et voilà, vraiment que tout le monde puisse accéder à ces informations là et on va donner le maximum d'informations qu'on puisse trouver, d'informations fiables par rapport à des sites archéologiques, des musées, des pièces, justement des artefacts et tout. Voilà, ça va être un ensemble de tout ça. Voilà. Excellent. Et si vous deviez vous mettre genre dans 3, 5, 10 ans à l'avenir, et c'est bon, votre start-up est devenue une entreprise qui fonctionne à plein temps, c'est bon, vous avez perdu le côté start-up et c'est la prochaine étape. Est-ce qu'il y a un projet, donc un site ou quelque chose en particulier que vous rêveriez de pouvoir reconstituer? Moi, je rêve de faire tous les sites archéologiques du monde. Hein, pour choisir, c'est vraiment compliqué. Hein, On va se limiter à l'Algérie. Oui, je sais. Et en Algérie, un site, genre si je vous disais, vous pouviez faire qu'un seul site, ce serait lequel? Alors, c'est vraiment difficile à choisir, mais écoutez, il y en a tellement, il y en a il y en a qui sont très très beaux, il y en a qui sont mieux préservés que d'autres, il y en a qui sont très éloignés, on ne peut pas y accéder, il y en a qui sont inconnus complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a que les personnes de la région qui connaissent, qui savent que voilà, là-haut sur la colline il y a quelque chose. Mais bon, Tipaza reste ma ville de cœur. Moi c'est Tingal. J'aimerais vraiment continuer à modéliser tout le site de Tipaza. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais voilà, j'aimerais bien finir de faire ça, en fait. Excellent. Et donc, je souhaite que vous puissiez le faire le plus vite possible.
avec les plus grandes facilités, parce que je sais que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Parce qu'entre les autorisations, la paperasse surtout, en fait. Ouais, côté paperasse, il y en a. Ouais, je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient pour visiter Alger ou l'Algérie en général, et je voulais leur faire faire un tour. Bon, on les emmène à Tipaza parce que c'est facile. Forcément, là, c'est, tu payes 20-30 dinars, c'est à l'intérieur. Mais avec ma femme, donc, on voulait faire des visites guidées de la Casbah ou des visites à, je sais pas, Bastion 23. Oui. Le circuit est à compter à Alger Centre. Ouais. Ah, non, aujourd'hui, c'est fermé. Non, tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Oui, non, il faut demander l'autorisation là. Non, tu ne peux pas photographier. Tu ne peux pas photographier. Voilà, on ne peut pas photographier, on ne peut pas exploiter les photos, on ne peut pas... Enfin, c'est plein de restrictions comme ça. Et ça ne nous facilite pas la chose du tout. Ouais. Alors qu'on pense vraiment que c'est pour le bien commun, c'est-à-dire avoir un contenu comme ça. Moi, j'aurais rêvé à une certaine période d'avoir un contenu comme ça où... quand j'allais à Tipaza ou enfin ailleurs, je sais pas, de savoir que cet endroit c'était une maison où on habitait, où il y avait des commerces, où il y avait, où on faisait ci et ça, que ça c'était un temple, que ça c'était déjà sur Tipaza. Bon, aujourd'hui heureusement il y a des guides sur place qui font ça, mais à une période il y avait même pas. Ah oui, je me rappelle les premières années. Voilà, il y avait même tu pas. Tu vois, tu regardes et tu pars. Voilà, on regardait comme ça, on savait pas, on sait que c'est romain, on sait que c'est Derwin, mais on sait pas ce que c'était en fait. Et c'est vraiment compliqué. Et c'est ça, quand il y a eu l'événement qu'on a fait avec notre partenaire Massirvi Hakim. D'ailleurs, c'est lui qui a tout. Enfin, c'était son idée. Et c'était lui qui a permis que ce projet prenne vie. Donc, quand on a fait l'événement, vraiment le retour qu'on a eu des gens était incroyable. On s'attendait pas à ce que les gens soient aussi intéressés par ça. Il y avait des personnes où ils venaient visiter. En 3D, enfin en immersion la villa, et ils nous disaient mais où elle est, on veut la revoir. Donc ils repartaient pour la revoir, ils cherchaient des guides, ils cherchaient vraiment à savoir ce que c'est, parce qu'ils s'imaginaient absolument pas qu'elle était Il y a des gens qui savent même pas qu'elle existe. Qu'elle existe. Ouais, non, mais ça c'est clair. Voilà, personnellement, en tant qu'Algérien né et grandi en Algérie, ma femme qui est beaucoup plus portée sur la partie culture, elle me fait découvrir des trucs. Je dis, c'est ça. On a ça en Algérie. Oui. Exactement. Elle a plus cette notion patrimoine et histoire et tout, parce qu'elle connaît beaucoup de choses en histoire. Quand on va par exemple dans des musées et tout, elle me dit voilà, celui-là, il était trouvé là, dans cet endroit et tout. Ah, je dis mais bon, on a eu cette civilisation ici en Algérie. Oui. Je ne connaissais pas avant. Donc voilà, c'est ça. Les gens. Veulent vraiment connaître. Donc, il suffit juste d'un moyen pour les inciter à venir et à s'intéresser. Voilà. Un moyen ludique et pas... C'est surtout pour pas les jeunes. C'est pas un livre, c'est pas un truc qu'on va lire. Par rapport à ça, j'ai eu une expérience dans un musée qui est pour moi l'expérience ultime. C'était en Corée. Donc, on avait visité un musée Samsung, mais c'est un musée qui appartient à Samsung, mais qui est sur l'histoire de la Corée. D'accord. Donc, dès que vous rentrez, ils vous remettent une mini-tablette. Enfin, c'était un Galaxy Note, mais qui ne faisait pas téléphone. Avec des écouteurs. Et vous passez, il y a le lecteur NFC dedans. Dès que vous passez à côté d'une pièce, vous scannez la pièce. Voilà. Et automatiquement, ça vous affiche la pièce en 3D, que vous pouvez voir dans tous les sens. Il y a un texte et il y a l'audio qui vous décrit ce que vous êtes en train de voir. Pas besoin de guide, besoin de rien. Pas besoin de rien. Et moi, j'ai eu cette expérience la même à Grenade, en Espagne. Et d'ailleurs, quand je suis revenue, je lui ai raconté comment les gens venaient visiter. J'étais impressionnée parce que je n'avais jamais vu ça avant. Et c'est aussi, ça fait aussi partie de ça. C'est-à-dire que intégrer une technologie comme ça ici en Algérie, un pays qui est quand même très riche en histoire. C'est terrible ce qu'on a comme... Oui, on découvre tous les jours. On découvre tous les jours via les archéologues, les gens de ta région, etc. Et voilà, c'est un moyen touristique très très fort. C'est-à-dire que les touristes, même d'ailleurs qu'on a reçu à l'événement, il y avait des étrangers, ils étaient impressionnés. Ils étaient vraiment contents. Ils ont dit ça se fait maintenant ici, c'est bien, il faut continuer. Mais justement, votre travail, c'est la mise en valeur justement de ce patrimoine. Voilà, tout à fait. Chose qui n'a jamais été faite, ou alors très très peu faite, justement en Algérie, la mise en valeur en général n'est pas faite. Ni pour le tourisme, ni pour la culture, ni pour rien du tout. Alors qu'on a une culture et une histoire extrêmement riche. C'est ça. Vu la dimension du pays, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, vraiment. On pourrait travailler
travailler, je ne sais pas, jusqu'à nos 100 ans, on aura... il y aura toujours quelque chose à faire. On ne va jamais terminer de faire tout. Voilà, il y aura toujours quelque chose à faire. C'est ça. Et c'est ce qui est génial, en fait. Et aussi, c'est pour la jeune génération. Ah, hein. Oui. On vise les jeunes là, qui s'intéressent aux jeux vidéo, au gaming, aux réseaux sociaux et tout. On va faire Assassin's Creed. Oui, c'est ça. Ça va être cool. Voilà. Donc voilà, comme ça, ils auront le côté jeu et le côté histoire, ils seront cultivés. Je connais beaucoup de jeunes qui ont, enfin des jeunes un peu moins jeunes que les gens que vous ciblez, qui ont appris beaucoup de trucs d'histoire à travers les jeux Assassin's Creed. Bien sûr. Parce qu'ils sont en train de visiter la ville dans les détails. Dans les détails. Historiquement correct. Bien sûr. Exactement. Enfin, les actions ne sont pas super historiquement correctes, on est d'accord. Oui, ça reste l'environnement. Mais l'environnement, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça les pousse à aller faire des recherches sur Internet et tout. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Oui, tout à fait. C'est même l'esthétique de League of Legends, l'esthétique, elle est extraordinaire du jeu. Donc, ça incite les gens qui jouent, enfin les jeunes et tout, à aimer ça. Ouais, moi, je me suis dit, ah, mais je veux faire comme Assassin's Creed. Mais c'est une équipe immense qui fait ça. Non, on a eu ce délire quand j'étais en première année de fac et un ami qui... Enfin, on était tous les deux passionnés de StarCraft. Ah oui. Donc, jeu de stratégie dans l'espace extraterrestre. Il voulait... Alors, à l'époque, c'était le gros délire. StarCraft 2 ne va jamais arriver. Il est venu 15 ans après le premier. Ouais. Donc, on va faire nous StarCraft. Mais quand on voit comment... Il faut 200 et avoir quelques millions de dollars. On commence petit et on a commencé par parce que bon, c'est à proximité. On peut s'y rendre facilement, on peut faire nos relevés facilement, on peut interroger là-bas les personnes compétentes qui vont nous orienter et tout. Mais plus tard, dans un avenir très proche, on va partir à Jumila, à Tingad, à Tlemcen. D'ailleurs, heureusement que maintenant que les gens connaissent un peu notre travail et tout, et ben il y a des gens des régions, par exemple Batna, Oran, on a eu de Rinchla, etc., et qui nous sollicitent, ils nous disent voilà, on est là, on vous aide pour le site. Ouais. C'est-à-dire que ils sont tellement intégrés dans ça. Et c'est ça la force de la communication. Voilà. Parce qu'en fait, tant que personne ne sait que vous existez et ce que vous faites, personne ne va se dire « Ah, je vais essayer de faire ça dans ma région. » Mais plus vous allez en parler, plus vous allez apparaître, plus vous montrez ce que vous faites et que les gens l'apprécient, plus vous allez avoir des demandes. Oui, et en fait, il va y avoir un autre effet auquel vous ne vous attendez pas aujourd'hui, mais les difficultés... paperasse, etc. Même ça va diminuer parce que vous allez avoir une certaine légitimité qui va se construire à travers le temps. Alors, je vous donne mon expérience personnelle. Voilà, c'est ça, je veux qu'il nous donne. J'ai créé cette boîte en 2014 à travers l'ANSEJ. Ah, d'accord. Donc, l'ANSEJ, à l'époque, il y avait encore la légalisation des documents en famille. Il y avait un chef qui en avait à l'Amérique. Imaginez une rame de papier, 500 pages, hacké, à légaliser, madame. Ah, vous voulez semaine à Inch'Allah. On va dans le Mac now. Légalement, tu peux pas. Mais au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure que j'allais faire la mairie, les différentes institutions, ils me reconnaissent. Ils voient que je suis en train de travailler. Ils voient que je suis en train de faire des trucs. Ils facilitent un peu les choses. Exactement. Mais d'accord, je leur donne des conseils sur des trucs. Bah là, qui me posent une question. Voilà, aider. Au fur et à mesure que ça passe, plus ça facilite, plus. On me donne des trucs, normalement ça prend une semaine, il fallait aller aujourd'hui. Ils me disent, ok, je vais essayer de te faire ça aujourd'hui alors que c'est pas le jour de réception. Oui, d'accord. Ce genre de truc, plus on vous connaît, plus la relation se construit, plus c'est facile. C'est ça. Là, on est dans cette dynamique, on nous connaît, on commence à connaître ce qu'on fait. On apparaît un peu. Et c'était le but, c'était notre but partout dans les médias. Voilà. Et les gens se commencent à nous connaître et à connaître aussi ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire aussi pour le patrimoine et le tourisme algérien. Et surtout, j'aimerais ajouter, que on incite d'autres personnes à faire
quelque chose ouais. de similaire. Ouais. Même chose. Ouais. Parce qu'on dit, oui, la concurrence et tout. Mais on, non, on, a ça, on aimerait bien, ça. Aimerait bien que quelqu'un nous aide à faire que, ça, justement. Qu'il y a de la dynamique derrière. Même s'il y a un hub de concurrence, c'est pas grave, venez. Y a, non, c'est y a pas, pas grave. On veut avoir ça parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire, oui, et vous ne pourrez jamais le faire. Jamais. Et même si quelqu'un d'autre vient et refait Tipaza, Tipaza va rester Tipaza. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelque chose de nouveau à faire. Mais il y aura toujours d'autres supports, d'autres une approche différente, une vision différente, de données, d'autres, voilà. Il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Donc d'inciter à des gens qui veulent, oui, des étudiants, on a des étudiants qui viennent formidables pour leur thèse de fin d'études. On a une doctorante de Tunisie qu'on a aidée, on a eu des Algériennes, trois ou quatre Algériennes de différentes universités qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui ont fait leur thèse sur, pratique, sur la numérisation, la virtualisation des sites historiques, etc. Et tout. Ils me disent, oui, on aimerait bien faire ça. Ah, c'est excellent, ça. C'est génial. En fait, c'était notre but. Et alhamdoulilah, ça commence à arriver. Donc même les autres, comme vous dites, les gens de d'autres wilayas nous sollicitent. Ils nous disent, on est là, on veut vous aider. On va vous donner de la documentation, on va vous aider, venez. Et puis la dernière fois aussi, il y avait une fille, je pense, elle t'a dit, voilà, il y a tel site dans telle région. On aimerait bien que vous fassiez ça pour ce site-là. On dit, avec ton plaisir, on a pas de soucis. C'est génial, Donc là, on va prendre une petite pause et on revient. A few moments later. On revient après la courte pause et on va parler de quelques autres sujets. Alors, premièrement, donc, quelle est votre stratégie marketing aujourd'hui? Vu que là, on est dans une agence marketing. Donc notre stratégie, en fait, elle est venue toute seule. C'était pas vraiment une stratégie très réfléchie. En fait, il y a beaucoup de médias qui se sont intéressés à nous suite à des concours qu'on a fait ou à des prix qu'on a remportés, comme le Algeria Tourism Award et tout. Et elles se sont intéressées les médias se sont intéressés à nous. Et on a vraiment beaucoup de demandes pour des interviews, pour aller sur des plateaux télé, pour faire des podcasts. Et franchement, je pense que c'est bénéfique pour nous parce que maintenant, on est un peu connus. Et ça permet aux gens de savoir qu'il y a des acteurs dans le domaine du tourisme qui sont en train de travailler sur ça et qui veulent promouvoir la culture et le patrimoine algérien. Et voilà, c'est un peu ça la stratégie. Enfin, c'est pas vraiment une stratégie, mais... Quand on va parler de stratégie marketing ou stratégie en général, le premier truc à définir, c'est quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre destination? Donc, votre destination à vous, c'est couvrir un maximum de sites historiques, de faire un maximum de reconstitution, j'arrive à le dire. Et justement, à travers ça, pour pouvoir arriver là-bas, donc voilà, on a besoin de l'élément A, B, C, D, donc on a besoin de fonds, on a besoin d'équipe, on a besoin de matériel, etc. Et du coup, pour pouvoir avoir tout ça, il faut avoir de l'argent. Et pour pouvoir avoir de l'argent, il va falloir faire ça, ça, ça. Exactement. En fait, il faut savoir que dès le début, nous, notre start-up, c'était des fonds propres. Donc, c'est nos fonds, on n'a reçu aucune dette, aucune aide de aucune institution, rien du tout. Donc, on a commencé avec nos propres fonds, on a fait quelques reconstitutions, on n'a pas fait de pub sur les réseaux, mais on a rien du tout. C'était, comme elle a dit, des concours avec lesquels, comme Emerging, où on a eu un petit peu d'attention médiatique et. Donc voilà. Ensuite, pour les autres sites et pour nos projets à venir, c'est vrai que maintenant, on a dû se diversifier, on va dire. On ne fait plus que du patrimoine culturel via tout ce qui est immersion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a notre premier cœur de métier, c'est le patrimoine culturel et c'est les reconstitutions historiques. Mais pour trouver les fonds pour faire ça, parce que c'est savoir que c'est très très cher et qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup de temps, etc., etc. Donc, pour trouver ça, on se diversifie vers le corporate et le marketing communication immersive. Ce qui est métaverse, communication immersive, via le casque. Donc, voilà. Donc, on propose nos services, donc la 3D, l'immersion via le casque, aux entreprises qui veulent
aller vers ce genre de communication. Et grâce à ça, vous... Et grâce à ça, on... Vous monétisez ? Non, il y a un terme ? Non, vous... on réinvestit ce qu'on... On alimente, si on veut. Ah non, le terme n'est toujours pas là. Je sais pas. Nous, c'est ce qu'on fait. On alimente les autres projets à nous. Donc, avec ça, on alimente tout ce qui est patrimoine, enfin, reconstitution. Parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur, forcément. Voilà. Et donc, vous faites vivre votre passion à travers... À travers d'autres services qu'on propose aux entreprises. Voilà. Excellent. Et donc, justement, l'un des sujets... que j'aime bien aborder par rapport à ça, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est l'une des meilleures stratégies que vous pouvez faire. Parce que vous n'êtes pas en train de vendre des choses au grand public. Mmh. D'où le fait que vous ne faites pas de pub, parce que ça ne sert à rien. Oui. C'est pas, vous n'allez pas investir de l'argent pour juste apparaître. Juste apparaître. Et pour dire quoi, à qui. Voilà, donc, exactement. Donc votre objectif, ce serait plus de cibler des investisseurs, de cibler des institutions peut-être, pour qu'ils vous facilitent le travail, etc. Des partenaires. Et pour ça, le meilleur moyen de le faire, qui est en plus, qui a l'avantage d'être gratuit, c'est la partie RP, relations presse et relations publiques. Oui. Donc la partie Hadia, elle devient de plus en plus simple, plus vous allez avoir de la notoriété, et pour avoir de la notoriété, il faut avoir de la visibilité. Oui. Plus les gens savent que vous existez, plus vous aurez de facilité. Il y en a qui vont dire que peut-être ça va attirer des concurrents. Oui. Donc c'est de ça qu'on avait parlé tout à l'heure pendant la pause. Oui, mais c'est-à-dire que c'est tellement vierge aujourd'hui que les concurrents sont plus que bienvenus. Marc, on va vous aider à être concurrent. Venez, 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 il n'y a pas de problème. Oui, venez. On vous aide. Au contraire, donc s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un véritable marché. C'est-à-dire que c'est là où le marché va être vraiment un marché, puisque maintenant, c'est un peu vierge et on est un peu en train d'éduquer le marché par rapport à la réalité virtuelle, surtout dans son utilisation. Pour les entreprises, en fait, parce qu'ils sont toujours un peu réticents sur ça. Donc, on est en train d'éduquer le marché. Et s'il y a des concurrents qui sortent, ben, ils vont nous aider. Tant mieux. C'est ça. J'ai eu la même expérience dans le digital. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, il y avait Medancom qui existait depuis la fin des années 90, 97, un truc comme ça. Ouais. À l'époque où Internet, c'était... pas vraiment encore Internet, quoi. Ouais. Et ensuite, il y a eu peut-être Oximus, d'autres petites agences. Même quand j'ai commencé en 2014, avec le lancement de la 3G et tout, on était 4-5 acteurs. Mm. Et 4-5 acteurs, on est tous sur le Jmaa, c'est des potes. On se connaît tous parce que c'est très petit. On se donne des conseils, on se donne des trucs, etc. On s'entraide. Et jusqu'à présent, on a toujours ces relations entre nous. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup plus d'agences, ce qui est tant mieux. Et encore, on n'est pas encore arrivé. On n'est même pas à saturation. Il n'y aura pas de saturation. Nous, comme vous avez dit, les acteurs, les larmes maintenant dans la réalité virtuelle, dans le patrimoine, il y a d'autres acteurs. C'est-à-dire la réalité virtuelle, donc c'est deux marchés distincts, donc le patrimoine et la réalité virtuelle. Mais voilà, on connaît... ceux qui font de la réalité virtuelle, parce que c'est le moyen qu'on a trouvé, nous, et c'est le canal où on veut passer tout ce qui est patrimoine, encore une fois. Et, ces acteurs-là, il n'y en a pas beaucoup en Algérie. Mmh. Et on les connaît tous. Du coup, c'est quasiment nos partenaires, nos amis, on travaille ensemble. On a des projets ensemble. Si les projets sont gros, vous n'allez jamais pouvoir les faire tout seul. Exactement. Il vaut mieux avoir des partenaires. S'il y a des concurrents, écoutez, ça va forcément devenir des partenaires. C'est génial. C'est ça, en fait. Exactement. Parce que il faut quelqu'un qui a déjà de l'expérience ou quelqu'un qui... on s'entraide, c'est comme ça. Oui. Exact. Et donc, moi, ce que je vous conseillerais, justement, la prochaine étape, pour avoir encore plus de visibilité, c'est de créer votre propre contenu. Oui. Donc, on aimerait bien, vous allez parler de... Parce qu'à travers tous ces événements que vous faites, et à travers toutes les émissions que vous participez, vous découvrez quelles sont les questions qui se posent qui reviennent le plus souvent. Commencez par adresser ces questions-là. D'accord. Et à travers les réponses que vous allez donner, vous allez avoir le retour du public, vous allez avoir encore plus de commentaires qui vont vous donner des idées pour créer encore d'autres contenus. D'accord, très bien. J'ai découvert un outil magnifique qui s'appelle Ask the Public, un truc comme ça. Alors, Answer the Public, answerthepublic.com. Et quand vous allez dessus, vous avez droit à 3 recherches gratuites par jour. Vous sélectionnez le pays, donc quelles sont les questions qui se posent dans ce pays, en particulier avec cette langue, en anglais, en français, en arabe, que vous voulez. D'accord. Donc, vous lui donnez la question ou le sujet, tac, il vous donne une
tonnes de questions qui se posent dans ce pays par rapport à ce sujet-là. Vous pouvez le télécharger en CSV. Et vous avez toutes les questions, tous les trucs, tous les mots-clés associés. Ça donne des idées. Ça donne énormément. Aujourd'hui, rien qu'en l'utilisant, le sujet, c'était caméra. D'accord. Mais caméra, ok, le sujet. Mirrorless vs DSLR, okay. C'est quels sont les différents types de lentilles, quels sont les différents types de... D'accord. Voilà. Et ça m'a fait 5 sujets pour faire plein de vidéos, 5 sujets dans les 10 minutes que j'ai passé dessus. Hein. Oui, voilà. Génial. Ok, d'accord. Donc ça, ça peut vous donner des idées, justement, pour trouver l'inspiration. Oui, on va l'utiliser, ça, oui. Ça c'est sûr. Très bien. Okay. Et donc, le deuxième sujet, c'était quoi encore? Startup, merci. On garde ça pour les... Alors, très bien. Et donc maintenant, on passe à la deuxième question qui est le côté start-up. Alors, je tiens à préciser, j'ai un gros problème avec le terme start-up en Algérie. Pareil. Voilà. Sauf que, on ne va pas cracher dans la soupe. Quand on nous donne un label start-up, ça a des avantages. C'est bien. Voilà. Ils auraient pu appeler ça autrement. Oui, mais c'est cool. C'est cool, on le prend. C'est cool. Exactement. Bien. Alors, quelle est votre expérience avec le côté start-up en Algérie? Alors, mon expérience personnelle, c'était avec les incubateurs. Parce que forcément, qui dit start-up dit incubateur. Et pas pour chez Duo. Ouais, non, c'était pas pour chez Duo, c'est pour un autre projet. Et vraiment, c'était la catastrophe. Je vais le dire comme ça. Voilà, sincèrement, c'était la catastrophe. Parce que un incubateur est censé aider et pousser la start-up pour qu'elle avance le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Et en fait, non. Non, ça traîne, il y a plein de côté administratif, paperasse et tout. À chaque fois, il faut envoyer quelque chose. Il faut attendre 15 jours pour avoir un retour. Et il faut faire des feuilles de route et il faut faire des business plans, des trucs qui vont servir à rien au final. Hein. Ah, on est d'accord. C'est juste, alors, juste si je peux intervenir à ce niveau-là. Moi, il y a un seul incubateur auquel je vais très souvent pour donner des coups de main, c'est AXE, parce qu'ils font dans l'entrepreneuriat social, ACSE. Donc, et j'aime bien les jeunes qui sont là-bas, qui veulent faire des trucs positifs pour l'Algérie, etc. Donc, votre projet aurait pu être là-bas, parce que c'est un truc vraiment culturel pour l'Algérie, etc. D'accord. Mais dans l'absolu, si quelqu'un veut vraiment se lancer, pour moi, l'incubateur, c'est une expérience à avoir, pas plus. Exactement. C'était une bonne expérience pour moi parce que c'est vrai que j'ai appris avec eux, enfin, à leur dépens, c'était pas voulu, mais j'ai appris des choses qui m'ont aidé aussi pour chez Duo, voilà. Mais bon, j'ai arrêté avec eux à un moment donné. Je me suis dit, ça va pas avancer comme ça, c'est pas possible. Ouais. Ça a pris deux ans, je crois. Ça a pris deux ans. C'était pour à peu près le même projet que chez Duo. Hein. C'était de la numérisation du patrimoine, sauf que l'outil, c'était le scanner. C'était le scanner, c'était juste scanner, en fait, avoir une banque de données scientifiques parce que le scanner donne des relevés très précis, donc pour les universités, pour les archéologues, pour le ministère de la culture, Vous allez devoir m'expliquer ce qu'est ce scanner parce que j'imagine un scanner tabouratem. Ah non, c'est un scanner, c'est comme la douchette, un trépied, un petit truc comme ça carré qui fait un balayage 360. Il fait un nuage de points. Comment ça s'appelle déjà? Il y a dans les nouveaux iPhones un truc qui fait ça. C'est ça. C'est ça donne la profondeur, c'est plein de petits points. C'est un scanner laser à nuage de points. J'ai oublié le nom de la technologie. Mimo, Vimo, Timo, Kimo, quelque chose. Elle est dans l'iPhone 13, je crois. Ouais. J'ai déjà testé. Oui, mais pour ce genre de trucs, il y a les scanners Leica et Faro qui sont les plus connus. Et en fait, c'était d'avoir cet outil-là pour pouvoir scanner et puis pour pouvoir aller vite, surtout dans le travail, parce que le scanner, il scanne. On récolte les informations, le nuage de points, on le transforme en une 3D exploitable. De là, on peut le mettre directement dans une banque de données, voilà, pour les institutions qui en ont besoin. Et nous, de notre côté, on va faire nos reconstitutions sur une base solide qui est un scan. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a détourné le projet vers la réalité virtuelle et les documents et la documentation au lieu du scan. Voilà, du scan. C'est plus compliqué forcément, c'est clair. Mais c'est moins compliqué dans le côté administratif, permission, effectivement. Pourquoi scan, pourquoi? Non, c'était ouais.
Coupe l'escalier, le site, c'était un truc waouh. Ouais. Et pourtant, ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans. C'est 3 ans. Ouais. Et 3 ans à l'étranger, le scanner, c'était très utilisé, on l'utilisait partout. Et ici en Algérie, ben, c'était le point d'interrogation. Mmh. Ça, à quoi ça sert? Pourquoi Ah, parce que quand ils connaissent pas, ils préfèrent ne pas le faire. Voilà, ne pas le faire. Donc, c'était un non catégorique. Ouais. C'était non. Justement. Donc, très bien. Mais après ça, justement, votre expérience start-up maintenant, que vous avez obtenu le label. Oui, on a obtenu le label. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, l'obtention du label. Oui. On a fait plusieurs demandes. Parce qu'il a fallu qu'on leur explique que le prototype, c'est quelque chose de virtuel, c'est pas un prototype oui. physique. Donc, on est allé avec nos casques, on leur a montré et tout. C'est vrai qu'ils étaient vraiment, quand on leur a montré et tout, ils étaient vraiment ravis de l'initiative et tout. Enfin, tout le monde, même au ministère des startups et tout, ils nous ont vraiment encouragés et tout à faire ça. Et voilà, suite à ça, on a fait... En fait, il y a deux labels. Il y a le label innovation et le label start-up. Mmh. Donc, nous, on a opté pour le label start-up parce que ce n'est pas forcément une innovation. Ça existe déjà. Oui. Exactement. Donc, et en fait, voilà, suite à notre demande, et on a démontré que voilà, c'était un produit virtuel, du coup. Voilà, ça s'est passé, pas très rapidement, mais ça s'est passé quand même. On nous a donné une idée de... Ça a pris 3 mois. Ça a pris quelques mois. Mais le plus gros du temps, ça a été surtout pour expliquer que c'était virtuel. Exactement, voilà, pour expliquer que ce n'était pas un produit physique. Pour expliquer que ce n'était pas une application, une plateforme, quelque chose du genre. Voilà, donc, très bien. Et c'était ça. Après, on a eu le label... Et récemment. Aussi, on a gagné le Algeria Tourism Award aussi, qu'on a pu démontrer que, voilà, grâce à ça, on a pu obtenir un prix et tout, parce que c'était important quand même. Pour avoir le label, il y a des critères à respecter. Mmh. Donc là, ils ont changé récemment, je crois qu'ils sont devenus encore plus... C'est pas les critères d'une vraie start-up, comme à l'étranger, mais il y a des critères. Mais bizarrement, à l'étranger, il n'y a pas de critères pour une start-up. C'est un terme pour dire que tu es en train de commencer et que tu as énormément de potentiel. C'est tout. C'est ça. Mais là, c'est pas forcément c'est le cas. C'est pas la même chose. C'est une start-up des aides. C'est exact. Ça vous donne les mêmes avantages que donnerait l'ONSEGE, donc par rapport aux impôts, etc. Et le financement, maintenant, ça vous ouvre la porte au fonds d'investissement. Exactement, l'ASF. Très bien. Donc, vous avez commencé le processus. Alors, pour le moment, je ne vous cache pas qu'on a besoin de financement, mais on n'a pas l'intention de faire maintenant une demande de financement. Pas pour le moment, c'est pas urgent. D'accord. Donc, on préfère vraiment y aller par nous-mêmes. On a beaucoup de C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer quand on est dans cet écosystème depuis si longtemps. Oui. Le truc qui revient tout le temps, c'est financement. Ce que je dis à tout le monde, à part si vous voulez construire une usine, vous n'avez pas les moyens. Voilà, c'est ça. Si vous pouvez ne pas demander de financement, parce que c'est virtuel et que vous avez déjà les machines qu'il vous faut, par exemple, les ordinateurs dans votre cas, un casque virtuel. Même si on n'a pas des trucs très performants, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut avec, mais bon, on peut quand même travailler avec. C'est ça, ce n'est pas un réel frein. Voilà. Donc là, continuez comme ça, sans financement, le temps de devenir rentable, votre rentabilité, ça va être votre propre financement. Ça sera super, je pense. C'est pour ça que, du coup, on s'est diversifié vers je conseillerais plus d'aller vers l'ONSEGE pour avoir un prix pour acheter le matériel. Pour acheter le matériel. Voilà, plus facilement, parce que c'est un prix qui s'étale sur 13 ans, à 0% d'intérêt. Pourquoi pas. Maintenant, c'est plus l'ONSEGE, c'est l'ANAD. L'ANAD, c'est l'ANAD. Très bien. Mes amis de l'ANAD, salut. Ouais, c'est l'ANAD. Et oui, ils ont beaucoup de types de financement. Peut-être, à un moment donné, si on aura vraiment besoin, on va faire ça. Parce qu'on a des demandes de partenariat, associé, je ne sais pas comment on dit, qui s'associent venir directement avec des parts, etc. dans l'entreprise et tout. C'est votre choix. L'avantage de l'ONSEGE et des autres formats, c'est surtout les réductions, tu as les impôts. Oui, voilà. C'est ça. L'avantage avec l'ONSEGE, c'est que vous allez avoir 3 ans. Même, je crois, le matériel... Si on achète le matériel, je crois que c'est sans taxe, je pense. Un truc. Si on l'importe, si vous l'importez. Mais ça, ce n'est pas si important que ça. Oui, ça va vous réduire Pas grand-chose. Mais l'idée, c'est que vous allez avoir
donc une exonération pendant 3 ans. Vous recrutez au moins 2 personnes, 3 personnes en CDI, ça passe à 5 ans. Et ensuite, une fois que les 5 ans sont passés, vous remboursez 70% du prêt, vous pouvez relancer pour 5 ans et un autre prêt. Ah, d'accord. Donc ça vous fait 10 ans. Et ça n'a pas changé avec les nouvelles trucs de là. Il y a quelques trucs qui ont changé. D'accord. Par exemple, avant, on était exonéré de TVA, mais okay. De toute façon, vu le cauchemar que c'était pour pouvoir l'avoir, tant mieux. Mais voilà, 10 ans sans IBS, 26% du 26% de votre bénéfice annuel qui part. Qui part. TAP, 1% de votre chiffre d'affaires chaque mois. Donc, à Edmogat, vous vous en débarrassez. Oui. Et ensuite, même après les 10 ans, sur 3 années, ce n'est pas directement vous payez les impôts. Et 20%, 50%, 80%. C'est bien. C'est bien. C'est bien. D'accord. Okay. Ouais, c'est bien, c'est un bon avantage. C'est ça. Ouais. C'est bon à savoir. L'agence, ça, c'est en siège. Ouais. 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 On va réfléchir. On se dit que ce n'est pas pour le moment. Ah, bien sûr. Si ce n'est pas pressé, ne vous cassez pas. Voilà, si vraiment on tombe dans le besoin d'avoir du matériel. On va le faire. De toute façon, on va tomber dans le moment où on aura besoin de matériel et on aura besoin d'une personne à temps plein. C'est-à-dire, pour l'instant, on a beaucoup de personnes qui nous aident et tout, en freelance, etc. etc. Mm-hmm. Mais il y aura un moment où il faudra vraiment avoir quelqu'un parmi notre équipe. Exact. Donc à ce moment-là, si vous avez besoin de conseils, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On ne va pas hésiter. Vous êtes les bienvenus. Merci. Donc, maintenant pour clôturer ce podcast, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez faire savoir aux gens? Comment est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, il faut juste taper chez Duo sur les réseaux sociaux. Ça va apparaître. Ici. Voilà, chez Duo. Et bon, on ne met pas nos reconstitutions sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et tout parce que. C'est pas très approprié, c'est pas la bonne plateforme pour. Exactement, c'est pas la bonne plateforme. Ça n'a plus le charme du 360 VR. Mm-hmm. Du coup. Ça ne sert pas à grand-chose et aussi, dès qu'il y a un événement ou quelque chose, on va le mettre sur le compte chez Duo, sur Instagram, je suppose. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Très bien. Tout. Et il y a le site web aussi. Parfait. Voilà. Alors, je vais vous mettre tout ça dans la description en bas. Oui, il y a un blog où on met de temps en temps des articles pour expliquer justement l'utilisation de la VR, c'est quoi la VR dans différents domaines, etc. Et peut-être ça peut aider des gens à trouver des informations dedans. Excellent. Et voilà, dès qu'il y a des dates, on les met. Voilà, des événements. Là, il y aura des événements avec le ministère de la Culture, parce qu'ils nous parrainent aussi sur mm-hmm. les événements et tout. Donc voilà, on met tout ça dans la plateforme qui va sortir, j'espère, bientôt. Excellent. Donc, je vous remercie d'être venu. Merci à vous. C'était vraiment très, très agréable de vous parler. Merci. Et donc, on se revoit bientôt. Et toutes les informations pour retrouver chez Duo seront dans la description, comme j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur leur compte ou ici si vous avez d'autres questions. Et à très, très bientôt. Ciao.